Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour ce 11e épisode. Ça fait une semaine que je... Même pas plus d'une semaine, une semaine et demie, que je me retiens de faire la suite. Tant que l'épisode 10 est sorti hier lundi 16. Et là, je vais te tourner aujourd'hui mardi 17. Le 11e épisode. Ça a été très dur de me retenir de jouer tellement j'avais envie de continuer cette campagne. Mais j'avais pris tellement d'avance... La preuve, j'ai une semaine et demie de vidéos à donner sur Total War Attila. Je me dis, bon, attends, on va arrêter de prendre trop d'avance. S'il y a une remarque intelligente et que c'est trop tard, voilà. Donc là, je reprends. La dernière fois, nous avions pas fait de bataille, étant donné que j'avais tourné les deux épisodes à la suite. Et comme j'avais déjà fait une bataille dans le 9e épisode, pour moi, j'avais déjà fait la bataille pour le 10e épisode également. Donc, on va essayer de faire quelques petites bastons à ce niveau-là. Mais pas contre ceux-là, là. Ils sont nombreux, là, les bougres. Les ruges, là. Enfin, quand on leur donne une bonne leçon à ces bougres. Parce que là, ils commencent à me faire suer, les ruges. Bon, sinon, avec l'argent, qu'est-ce que je vais faire de mon argent? Ça pourrait être pas mal. On va prendre. J'ai de l'argent, on va l'utiliser pour faire l'embarcadère. Bon, aussi que j'économise pour convertir ce bâtiment, moi. Faut vraiment que je continue de reconvertir tout ce bazar. Et je fais quoi en techno? Ah, exercice militaire. Guerrier nordique. Les guerriers nordiques, c'est un autre monde qui s'ouvrira à nous. Parce que les guerriers nordiques, ils sont bons. C'est des unités de mêlée qui sont efficaces. Pas comme les brigades nordiques qui, elles, sont nulles. Les guerriers nordiques... C'est bien. Et là, je fais peur, je pense. Bon, mais sérieusement, on va tout de suite passer le tour. Tu vas crever, oui. Tu vas crever, toi. C'est... Voilà, enfin, ils vont tous mourir. En tout cas, la semaine dernière, tant que j'ai pas fait d'épisode là-dessus, j'ai regardé Kaamelott. Mais tout, hein. Je me suis tout refait de livre 1 au livre 6. J'ai tout regardé Kaamelott. Tandis que Total War Attila, c'est en plein dans cette période. Surtout le livre 6, où là c'est juste à mourir de rire. Le livre 6 de Kaamelott, c'est vraiment la période de Total War Attila, selon moi. Sauf que là, voilà, on a pris le contrôle en Bretagne. Les Calédoniens, ils sont Mélarbin ou pas? J'ai oublié ça, je crois qu'ils sont plus Mélarbin. Va falloir faire gaffe à ceux-là. J'aime pas les Calédoniens, les Irlandais et les Pictes. Oui, les Pictes. Ça va rester des ennemis potentiels, tant qu'ils ne sont pas mes ennemis. Mais le risque qu'ils le redeviennent est très très grand. C'est pas n'importe quoi cette armée pour les Suèves là. Menée par Clovis. Ah, les séparatistes romains, c'est vrai que ceux-là ils étaient bons. Alors c'est quoi ça? 73 ans le beau. Nomination cigare juge. Ouais, on va rien faire. Bon ok, eux ils restent dans leur campement. Allez venez, hein, on vous attend. Allez viens, je vais t'attendre. Bien, l'argent monte, parfait. Je pourrais améliorer ça, mais est-ce que j'ai... Ah ouais, j'ai quand même une pénurie importante. L'ordre militaire, l'ordre public militaire. 12 quand même. 12. C'est pas rien. On va faire des petits échanges entre les deux. Bien. Parfait. Même pas besoin du militaire. Parfait. Je préfère avoir cette armée. Cette armée, on va même l'envoyer à Eboracom. Par mesure de précaution. Quand même, on va aller ici. Si on venait à être en guerre contre les Calédoniens, au moins on serait fixé. Ils sont alliés avec quelqu'un, les Calédoniens, en fait. Plus de questions comme ça là. Que les Calédoniens, c'est du commerce? Non, alliés défensifs, les Pictes et les Eblen. Ok,
Donc en gros, faut pas que je les attaque, sinon je me retrouve en guerre contre tout le monde. Et je ne veux pas. Je ne veux pas du tout. S'ils viennent à m'attaquer, ok, là, peut-être que les autres viendront pas. À voir, à voir. Ici, alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je voudrais faire une maison de chef. Une maison de chef, car alors, maison de chef, c'est dans civil. Maison du chef. Ici, on a avec le bastion du chef. Il faut avoir quoi pour faire ça? Roi sacré. Je peux avoir des guerriers Hird qui sont également d'excellentes unités de mêlée. Ça, je vais pas le nier. Faudrait aussi que je débloque chez les artisans l'atelier d'acier pour avoir les groupes de guerriers nordiques à la hache. Faudrait que je fasse des fonderies déjà pour ensuite aller sur les ateliers d'acier. J'ai pas un truc. Si, artisan. Fonderie, faudra que je fasse ça moi. Ce sera très très important. Et si on va économiser pour avoir la maison du chef aussi. Quoique faire la fonderie directement, ça serait pas trop mal. On verra bien. C'est bon. À un moment j'ai cru que mon micro était mute. Ce qui fait que je parlais pour rien. C'est les petits aléas parfois que j'oublie. J'oublie parfois que. Je mets mon micro au mute, ce qui fait que j'arrive sur DTS. Je dis bonjour, je parle et. Putain, pourquoi ils me répondent pas, ces cons? Et bah en fait, c'est moi le con, étant donné que j'avais muté mon micro. Voilà, ça arrive. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à me dire: ouais, tu vas bientôt avoir les 10 000 abonnés, est-ce que tu vas faire une vidéo spéciale? Je sais pas. Je sais pas en fait, je réfléchis à ce que je pourrais faire pour les 10 000 abonnés. À une vidéo qui aurait un peu de panache. Pour vraiment fêter ça, parce que 10 000 abonnés, c'est quand même les 5 chiffres maintenant. Un nombre à 5 chiffres, c'est pas rien. Je sais pas, je sais pas, je commence à y réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais faire pour fêter ça? Je ne sais pas. Je vais devoir y réfléchir, étant donné que ça arrive assez rapidement là. On est à presque 9 900 abonnés. Vous êtes nombreux, les mecs, quand même. Oh. Vachement nombreux. Bon, alors vous, vous pourriez arrêter de déménager, s'il vous plaît, là. Enfin, vous pourriez déménager, rentrer chez vous. Là, voilà, quoi. Vous commencez à faire suer. Oui, j'avais dit que je voulais faire ceci. Maison du chef. Et au prochain tour, je ferai potentiellement ce truc-là. Ah, j'en ai deux, des trucs. Et je peux faire quoi, sinon? Là, niveau bouffe... Ouais, niveau bouffe, on est large. Pour améliorer l'hygiène, on est à combien dans l'hygiène? Ce serait pas du luxe d'améliorer ça. Pour le moment, c'est pas utile, mais je pense que je vais devoir faire des bâtiments et ça va m'en demander. Qu'est-ce que j'aurais pourrais faire sinon? Terre sacrée? Ouais, c'est pas comme si le paganisme était à fond. Non, je vais garder mon argent pour pouvoir faire la fonderie au tour prochain. Enfin, commencer à la faire. Du moins. Construction terminée. L'embarcadère est terminé dans cette ville. J'ai tellement de trucs à faire. Tellement. Oui, vous. Déjà, on va arrêter ça. Oh, ils ont du plomb. Ah, il y a du plomb dans cette ville. C'est pas rien. Ces Gontium, ces enfoirés, ils sont quand même allés ici alors que j'aurais bien voulu m'y installer moi au Pays de Galles. Gisur, c'est qui déjà? Alors Gisur, Gisur, Gisur. Toi, tu es en Skanda. D'accord. Afficher les détails du personnage. Tu es en Skanda. Alors ça. Ouais, bof. Oh, bof. En fait, il n'y a que ça d'intéressant, quoi. Ça fait quoi? Capacité de recrutement pour province gouvernée. Ouais. Attendez, on va faire ça et ça. Comme ça, au tour prochain, je pourrais faire sentinelle en plus. Et ce serait pas mal. Allez, on prend ça. Bien. Oui, il faut aussi que je regarde ma politique. J'ai pas des personnages qui ne sont pas très fiables. Lui, il faudrait que je m'en occupe, là.
Toi, t'en as 79, on va sécuriser la loyauté du frérot. Toi, ouais, bof. Toi, t'en as la masse, on va sécuriser la loyauté de ce mec. Toi, t'es très loyal, c'est très bien. Steinar, on peut pas faire grand-chose avec lui. On va sécuriser la loyauté de Sigar. C'est un amiral, donc c'est important d'avoir un roi loyal. Enfin, d'avoir des sujets loyaux. Il a 74 ans et il est toujours pas mort, Dag. Hein. Putain, c'est une force de la nature, le mec. Il y a respect. Franchement, il y a respect. 74 ans, toujours debout. On est en 407. C'est pas rien, je dois dire. Donc, vivre à 74 ans à cette époque, c'est pas donné à tout le monde. Quoi qu'il m'a semblé entendre parler d'un roi ostrogoth qui avait vécu. On l'appelait le roi centenaire, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est. Attends, j'ai mon bouquin là. Et je vais vite essayer de le retrouver. Mais il me semble qu'il y avait un roi ostrogoth qui était mort, mais incroyablement vieux. C'était. Ah, j'ai trouvé. Alors, comment il s'appelait? Hermann Aric. Il me semble que c'était le roi centenaire. Un roi qui est mort incroyablement vieux. Enfin, il est mort vieux et en plus, il aurait peut-être pu vivre un peu plus longtemps. Nous dévasterons vos maisons, dépouillerons vos femmes, ferons de vos enfants des esclaves et profanerons D'accord, les Calédoniens nous déclarent la guerre. C'est noté. Enfin, ce roi-là, il aurait été. Je crois qu'il me semble que si je me souviens bien de ce que j'avais pu lire, il avait une tentative d'assassinat contre lui. Il avait été gravement blessé. Et après, il a eu une vie de malade tout le reste de sa vie. Bon, il était déjà vieux quand il a été attaqué, donc voilà. Après, il y a une rumeur qui dit qu'il se serait suicidé. Il me semble que j'avais également lu ça. Enfin, des rois qui vivent très vieux, oula. J'aime pas ça, là. J'aime pas du tout ça. Bon, alors toi, on va attaquer. Ah, eux, ils ont des guerriers nordiques. Ah! Ouais, j'aime pas ça. J'aime pas les guerriers nordiques. C'est bon, c'est. C'est vachement bon! Bon, on va la faire la bataille. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu la dernière fois. On va en faire au moins celle-là. On va les subjuguer, les Calédoniens. On va leur montrer de quel bois on se chauffe et qu'on nous attaque pas. Comme ça, sans représailles. Parce que voilà. Hein. En général, si je peux attaquer, on me déclare la guerre, que je peux attaquer dans la foulée, j'attaque dans la foulée. C'est mieux. Surtout si je peux, en un seul tour, faire la guerre et faire la paix en même temps. Si je peux faire le coup double, je ne dis pas non. Contre ces Calédoniens, mais bon, je me demande où est leur armée. Ils ont même pas mis leur armée dans leur ville. C'est un peu bizarre. Mais bon, je vais pas m'en plaindre. On va leur montrer de quel bout on se chauffe. On a un bon général en plus, hein. 6 étoiles. Bon, alors général de garnison 0, c'est pas étonnant ça. Mais l'armée des séparatistes au sud. Je la sens mal. Je la sens très très mal cette armée au sud. Aux yeux de l'homme brave, je ne sais pas pu lire ce qu'avait dit Cicéron. Et Cicéron, c'est Poincaré. La blague classique, on va dire. Alors appuie, je veux pas. Appuie, je veux pas. Ah, sec! Ouf! Bon, faut dire qu'on est en Écosse, alors. La pluie, le brouillard, c'est monnaie courante, donc on va pas se plaindre si on a une journée de beau temps. Franchement. Bon! S'ils ont une tour, c'est noté.
va passer par là, hein. Ouais, s'ils ont mis des petites palissades. Oh, comme c'est mignon. C'est mignon, ils ont mis la palissade. Oh non, ça. Bien. Vous là, la cave, bof. Vous, ici. Donc là, toi derrière. Je pense qu'on va être bon, ça. Ici, flèche enflammée. Et on va détruire la tour qui se trouve à côté. Bien. Le discours du général, je l'entends, mais je l'écoute même pas. T'as fini de parler, toi? Il a fini de parler en plus. Mais il a dit quelque chose et je l'entendais vite fait, à loin. Nous écraserons l'ennemi par notre nombre. Ah bah ça. Si on peut se le permettre, on va pas se... On va pas s'en empêcher. Alors ok, alors je pensais que vous, Archer, vous étiez plus rapide. Donc non, je me suis trompé. C'est en train de tirer sur mes unités enrôlées nordiques, c'est pas bon ça. Allez-y messieurs, montez, montez, montez. Normalement, je peux pas les améliorer mes unités en plus. J'ai un doute. Ouh là non, hop là non, 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 non. Non, je suis trompé. Je me suis trompé. J'ai pris mes unités de mêlée au lieu de prendre les archers. Je pensais avoir pris les archers moi. Bon, on est en train de leur cramer leur tour. Parfait. Putain, c'est beau quand même. Parfait. Alors, nous avions quoi? Bah ici, c'est leur guerrier nordique. Regardez comment ils ont la classe quand même. Mi-côte de maille, mi-fourrure. Je le trouve excessivement stylé, leur armure. Ah, je les trouve vachement stylés. Oh là 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 là, si c'est pas la classe. Et ça, je les aurai bientôt. Et là, on pourra partir à la conquête du monde. Sans aucun problème, étant donné qu'avec des unités qui ont des stats juste monstrueuses, il n'y aura plus de soucis à ce niveau-là. Hein. Ok, vous le dites. Parfait. Bon, leur tour, là, est en train de... de se propager à leur habitacle. C'est bien, leur maison est en train de cramer. Donc. Bon, je pense pas qu'on ait assez de... Nous avons détruit la tour ennemie. Tiens, tirez sur les guerriers nordiques avec des flèches perforantes, s'il vous plaît. Allez, sois à nous. Parce que là, eux, ils ont une bonne armure, donc... Il y a, à mon avis, que ça qui pourrait éventuellement les tuer. Bien éventuellement, étant donné que ça a pas l'air très efficace. Vous y allez les mecs? Leur grand bouclier est un gros problème. Ouais. Et bah va falloir attaquer. Eux, j'aurais peut-être dû les appeler ceux-là. Brigade de guerriers. Courez, bon sang. Lance parée. Que les dieux nous protègent. Ouais, alors c'est bon, c'est trop tard, je me suis mis à portée, on y va. On charge les guerriers nordiques. Allez-y messieurs des brigades nordiques. Ah bah là, la petite salle a été efficace. Allez-y, gâcheurs, avec vos francisques. Ça devrait leur faire mal. Peut-être
peut-être dû envoyer le général. Donc ils sont en train de fuir. Leurs unités de guerriers nordiques sont vachement efficaces. Si certains avaient des doutes, hein. L'ennemi a découvert nos troupes cachées. Parfait, leur renfort arrive. Ça va totalement les mettre en déroute, c'est bon. Allez-y, messieurs. Par contre, on va peut-être ordonner à nos unités d'arrêter de tirer, s'il vous plaît. On stoppe le feu à volonté. Ce sera plus sage. Bien. Maintenant que ceci est fait. Ouais, peut-être que comme ça, c'est pas terrible. On va un peu admirer le paysage quand même. Enfin, le paysage, le combat. Pouh, elle s'est fait... Tu t'es fait tuer par une gonzesse. Oh. Non, mais après. Excusez-moi, mais une femme qui a une lance. Contre quelqu'un qui a un petit couteau. Regardez-moi, ils ont des petits catifs. Vous avez aucune chance, c'est vous. Après, les Amazones, c'était quelque chose aussi. Hein. Parmi les plus redoutables guerrières. Alors toi, tu pourrais pas t'occuper de cela? Bon, il reste leur unité de général, là, Drapes, le nom de leur général, c'est tout à fait bizarre comme nom de général, je veux dire. Ils ont quand même énormément renforcé les défenses des barricades. Enfin, les PV, avant, c'était hyper facile à dégommer. Ils ont énormément changé ce niveau-là. Ils ont rajouté un nombre de PV juste aberrant. C'est impressionnant comme elles tiennent maintenant. Bon, faut dire qu'avant, c'était un peu abusé le fait qu'elles ne tiennent justement pas. C'était un peu choquant, inadmissible. Les unités de l'ennemi se sont ralliées. Bon, alors, on en est où ici, là? Messieurs, la cave. Prenez ce point et accélérez-moi ça là, parce que là il reste plus que cette unité. On va arriver dans le dos. C'est possible? Ah, ça y est. Enfin. Ouais, je me demande si en résolution automatique j'aurais pas perdu moins d'hommes. Je me le demande. En tout cas, maintenant, on va les subjuguer. Oui, j'ai pas envie d'aller au-delà du mur d'Adrien. Surtout que ça risque de faire durer la guerre. Et donc les Irlandais et les Pictes risquent d'intervenir. Et ça, ce serait pas terrible pour moi. Je ne souhaiterais pas que cette guerre s'éternise. Donc on va se casser vite fait. On va seulement les subjuguer. Pas de guerre. Bien. Fait subjuguer. Voilà, et mon larbin. T'as compris? Nous, on va aller ici à Lindum. Le plus vite possible. Ici, punaise, leur armée. Ah, ça peut aller. Si je recrute quelques unités, je peux tenir. Alors, recrutons des unités. Est-ce que je recrute quelques unités de mercenaires? Non, il me faut des unités stables. Remplir votre mission pour la tribu. Venez, battez-vous pour nous, les gars! Recrutons ça, j'espère qu'ils vont pas attaquer. Leur armée est quand même très faible. Pour le siège, ils ont pas d'unité de siège, donc la bataille. Le siège ne peut que durer. Ce qui est pas trop mal. Ici, j'avais dit que je voulais faire une fonderie. Je vais la faire, moi, cette fonderie. Afin d'après pouvoir faire. Les guerriers à la hache.
C'est pas rien, les guerriers à la hache. C'est moi qui vous le dis. Les séparatistes. Super. Bon, alors vous aussi, là. Faites quoi, là? On va envoyer la flotte à la ville imprononçable. Refnenholt, comme ça. Enfin, de faire une garnison, somme toute, potable, étant donné que ce sont des maraudeurs lourds, qui sont d'excellentes unités en mêlée. Même sur terre ferme. Donc, je ne m'inquiète pas outre mesure pour ces unités, qui pourront faire des massacres si les ruges venaient à attaquer ma capitale. Bon. L'Empire Sassani, je me demande combien ils sont classés, les bougres. Donc, je les ai pas encore croisés, je ne peux pas savoir. Et dans mon classement de top 5 de nations les plus puissantes actuellement dans cette campagne, il me manque un numéro. Il m'en manque un. Étant donné que je sais qu'il y a moi, qu'il y a l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient, il me semble qu'il y avait les séparatistes qui étaient pas mal classés non plus. Bien, j'aime bien quand eux, c'est mes larmes. Ah, bah ils attaquent ou pas? Non, ils ont seulement bougé autour, ok. J'ai bien fait de m'envoyer ma flotte. Je me demande ce qu'ils vont faire. Surtout que la moitié de l'année, j'ai le général Hiver qui est dans mon camp. Et ouais, c'est quand même ça, c'est la classe, le général Hiver. Mais étant donné que là, on est en été ou on est au printemps? Automne? Ah, ils se sont cassés. Bien. T'as compris. Alors toi, on va arrêter de courir. Merci. Toi, t'as gagné du galon. Ouais. Ça fait quoi, bonus de charge? C'est pas trop mal, ça. On va faire ces deux-là. On va prendre ceci. Bien. Ils ont quand même pris énormément cher avec l'hiver. Ça, c'est quand même assez dingue. Un tour encore pour ça. J'ai de l'argent. Ici, je pourrais l'utiliser, mon argent. Terre non développée. On y va. Et on va faire... ouais, c'est pas terrible la salubrité là. Peut-être que j'en fasse. Bon, que je fasse la maison du chef. Quoique la maison du chef, c'est pour les guerriers Hird, hein, c'est assez limite. Nourriture, il faut que je fasse de la nourriture. Ferme. On va faire une autre ferme à Camelo Dunon. Ça va être important. Bien. Ça, c'est fait au nord. Ils sont civilisés. Enfin, je les ai pacifiés plutôt. Civilisés. En aucun cas, je les ai civilisés, je les ai seulement pacifiés, si vous voulez. J'ai quoi comme garnison ici? Tour aussi, et trois navires. Maraudeur lourd en plus. Non, les... Ouais, maraudeur lourd. Ça m'en fait deux de plus, en plus de la flotte où j'en ai déjà 6 avec 8 unités de maraudeur lourd, plus 4 unités de baliste. Ok. Ils viennent m'attaquer, ils se font assommer par les cailloux que je lancerai à partir de mes balises qui se trouvent sur mes bateaux. Ce qui sera pas mal. Je peux pas les entraîner ceux-là? Ou ils sont déjà entraînés? Non, j'ai pas la techno encore. Ah ouais, je l'ai pas encore la techno maître du terrain, mais il faudra que je la fasse celle-là. Oh là là, c'est quoi le cirque? J'ai pas cette techno qui est juste géniale. C'est vrai que ça en réentraîne pas mal de mes troupes. Là, va falloir que je règle ce problème. Ça remplace mes unités d'enrôlés nordiques. Qu'est-ce qu'ils font en Espagne? Les Calédoniens au Portugal en plus. C'est même pas l'Espagne, c'est le Portugal. C'est assez bizarre. Je sais qu'il y a eu des raids vikings qui ont été jusqu'à Constantinople, il me semble. Il y a eu des vikings en mer Méditerranée. Ça, j'en suis sûr.
Il me semble qu'ils sont allés jusqu'à Constantinople, les bougres. Il me semble, ouais. De toute façon, les Vikings sont allés quasiment dans tout le monde connu. C'était quand même de très grands navigateurs. De très grands commerçants aussi. Bon, après, leur tactique de commerce, hein. Le fait d'attaquer les gens avec qui on commerce, voilà, hein. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, les Suèves se sont fait éclater. Wow. Marrant, ça. Je suis assez impressionné à ce niveau. Bien, maison terminée. Maison du chef. C'est bien. Très bien. Ouais, je peux pas l'améliorer. 20 de nourriture. Waouh. On demande de la nourriture, dis donc. Mais de toute manière, je voudrais faire l'autre recherche quand même. Ici, site de construction, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Le puits, non, j'avais dit. Je sens que le puits, ça devait être pas mal. Ouais. Ce serait pas mal. Puits. Artisan, bof. Une ferme? Ouah. Je gagne suffisamment de bouffe sur ces terres. 61 et je suis en hiver. Ça va. Non, on va économiser notre argent. Tout simplement. On va garder notre argent pour pouvoir, on va dire, prendre cette ville, là. Abandonner, c'est comment s'appelle cette ville, à la base? Corinium. Faudra que j'y aille aussi, à Corinium. Il faudra. Ces bougres, ils se sont encore installés chez moi, pour l'hiver. Ah, il me semble bien, je voyais pas la tête de mort, ça vous seulement dire que le camp n'avait pas été encore affiché, c'est tout. Bien! On va laisser l'hiver s'occuper d'eux. Ici, je garde mon argent donc pour le reste. Et on va donc passer le tour. Mais avant, je voudrais aller voir la diplomatie. La gauche, je m'entends pas très bien avec eux. Les Alamans. Ah, ils ont reconstruit du Rocantorum. Impressionnant. Je suis impressionné. Séparatiste romain. Ici, c'est tout rasé. Wow, cette faction est puissante. Menée par Anatolius Flaminius Sina. D'après ce que je vois, ils ont la Narbonnaise et l'Aquitaine. Mes respects, monsieur. L'Empire romain d'Occident. Complètement à la ramasse. Ça ne va pas sans dire. Ouais, après le reste, ils veulent pas faire de commerce, ils m'aiment pas. Les Calédoniens, tiens, le commerce. Salut à vous, je suis sûr. Ils veulent pas. Et Zeblani? Salutations, parlez donc franchement. Très bien, mais. Mais c'est un enfoiré. Espèce d'enfoiré! Non, moi c'est 7 villes que je voulais prendre. 7, ouais. Je posais la question afin de pouvoir faire le bâtiment pour avoir le bois. Enfin, cette ressource. Je pense que ça serait pas mal en effet d'avoir du bois en plus. Eh bien, allons-y, passons le tour. Bien! Bon, cette petite bataille au début contre les Calédoniens vient à point nommé quand même, étant donné que je pense pas qu'il y ait de bataille pour la suite de cet épisode. Donc, une petite bataille de temps en temps, une petite guerre aussi. Ça fait pas de mal. Ils assiègent Cordoue. Eh ben, dis donc, je sens plus les mecs. Les Calédoniens, tu m'étonnes, mais... La question que je me pose, c'est qu'ils me déclarent la guerre alors que toutes leurs armées se trouvent en Espagne. Franchement. Ils auraient voulu être mes vassaux que il y aurait pas eu de meilleur moyen pour ça. C'était le chemin le plus rapide pour qu'ils deviennent mes vassaux. Mais à ce niveau-là, il me semble qu'il y a la diplomatie. Donc c'est pas obligé de faire une guerre pour ça. Je sais pas. C'est perturbant là. L'IA a encore des progrès à faire, je dois dire. C'est pas encore gagné ça. Et bon, une IA intelligente. Hein. Le jour où il y aura une IA intelligente, ce sera un autre millénaire. Bien. Avec le nuage, je voyais pas grand chose. Bien. Je me fais du fric. Yes. Combien d'argent pour refaire ça? 7239. Ouais. Et ici?
5000? 6000? Wow. C'est bien là, le prix descend, le prix descend. Avant j'étais à 8000 il me semble. C'est pas mal, c'est pas mal ça. Faut aussi que je m'occupe de ce bazar moi. Coup d'entretien, ouais, ça c'est pas mal. C'est un truc que j'utilise jamais l'entourage, j'oublie en permanence. Alors, chance de détection en campagne, ouais. Ah, diplôme militaire ça. Plus 10, bon, plus 10 en territoire possédé ou allié. C'est bien ça. Plus 10 pour les... ouais. Alors, coût de construction. Ouais, mais ça c'est... on va prendre diplôme militaire. Et l'entourage. Alors, toute fatigue, ordre public. Taux de fatigue, on va prendre ça. Mais mes gouverneurs, en fait, est-ce qu'ils ont aussi cette capacité? Il me semble que oui. Quoi? Ouais, pas terrible. Alors, coût de construction, moins 5%, ouais. Coût de recrutement, ouais, bof. Ça, c'est pas mal, bouclier d'entraînement alourdi. Coût de construction, moins 5% pour les bâtiments militaires. Ça, c'est bien. Et là, ordre public, plus 5. Je prends. T'es où, toi? T'es... Steinhardt, t'es gouverneur où, ça? En Bretagne inférieure. Parfait. Ça me va. Cela me va. Bien. Est-ce que je... j'économise pour, justement... enfin reconvertir ces villes. Ou alors je fais ça pour faire les coupes de guerriers à la hache. Intense moment de réflexion. Oh, mais ouais, mes villages aussi. Oh là là, j'ai tellement de choses à faire. Non, on va garder notre argent pour reconvertir définitivement les villes qui sont sous mon contrôle mais qui n'ont pas la bonne culture. Donc avec la culture romaine, voilà, elle me sert à rien. Donc on va régler ce problème pour mes grosses villes qui se trouvent en Grande-Bretagne. Dans les que j'en ai qu'une seule qui a la bonne culture, c'est la ville que j'ai reconstruite. D'ailleurs, il me faudra de l'argent pour reconstruire la ville qui se trouve à côté là. Comment elle s'appelle? Je sais plus. Ça commence par C. Carominium, quelque chose comme ça. C'est pas facile à voir. Quand le passage de tour se fait. Mais je me sens que c'est quelque chose comme ça. Tiens, ils vont se réinstaller ici. Les Alamans. Si je pouvais vraiment faire du commerce avec eux, ça serait très bien. Ou même que je sois un leur pote. Les Alamans, si je pouvais être allié avec eux, ça me serait fort fort avantageux pour d'éventuels... L'armée espagnole détruit l'Espagne. Il y a un concept là. L'essence illégitime. Affaire d'état, ok, alors mercenaire, qu'est-ce que c'est que ce bidule? Avec Tolerc. Alors, un commandant mercenaire de passage souhaitera un entretien et nous offre son épée sous l'unité si on veut bien le payer à l'avance, l'ignorer. Ces troupes pourraient s'avérer utiles dans les conflits à venir, l'offre est plutôt avantageuse. Va demander une ristourne. S'il te plaît. Si tu t'insultes... si tu te sens insulté, désolé, ça me plaît pas. Il faudrait que je reconstruise cette ville aussi. Tour prochain, je pourrais reconstruire cette ville là. Tour prochain, celle-ci. Celle-ci, je peux le faire maintenant. Pour Lindum. Mais je préfère faire ça à Londinium, étant donné que c'est la ville qui est la première lorsqu'une armée vient du continent. Cela me semble plus avantageux à ce niveau-là. Passons le tour. Et je vois que la vidéo va se terminer dans quelques secondes. Enfin, mon chrono va sonner dans 15 secondes à peu près. Et va falloir que je règle ce petit souci. En arrêtant l'épisode, malheureusement. Mais je ne vais pas continuer
une nouvelle session juste après. Je vais m'arrêter là. C'est vrai que je vais pas prendre trop d'avance quand même. Je viens d'arrêter d'avoir trop d'avance. Je vais pas recommencer ça. Ce serait complètement débile. Voilà, le chrono. Ok, alors le chrono me dit 0, mais il sonne pas. C'est quoi ce délire? Ah, ok. Le chrono, il s'arrête, mais il ne sonne que 20 secondes après. Super le chrono! C'est n'importe quoi! Bon, alors les ruges, désolé, mais vous faites suer là, restez à côté. Vraiment? Vous me gonflez les ruges. Le tourisme en Suède, certes, il y a de très belles de forêts, il y a de très beaux lacs. La Suède est un très joli pays. Mais y aller avec une armée pour faire du tourisme, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable pour les occupants du pays en question. Bien. Parfait. Donc ça fait moins 25% pour les mercenaires pour les 3 prochains tours. Pas mal. Ils se sont installés. Yes. Hé, hey, les Alamans. Du commerce? Salutations, mon ami. J'ai demandé une Bah! bière pour vous. Oh, l'enfoiré! Et ha! Des femmes mûres Oh, il pour m'aime le pas, enfin, reste. pas assez, quoi. J'ai quoi, on a quoi? Paille de non-agression avec les Allemands. On peut pas faire mieux, Asseyez-vous, mon ami, et parlons. Défensive, Buvons du non? Ouais, même pas ça. Non, ça me déçoit ça, les Alamans. Vous m'aimiez bien avant. Pourquoi maintenant vous m'aimiez plus? Bon, ici, voilà, l'argent dépensé pour la reconversion de Londinium. 12 tours, c'est vachement long. Mais dans 3 tours, j'aurai ceci, exercice militaire. Après, le tour juste après, je ferai maître du terrain. Et ainsi, j'aurai des unités complètement craquées. Je vais enfin avoir des bonnes unités militaires. C'est quand même pas rien ça. Adieu les brigands nordiques, bienvenue les guerriers nordiques. Adieu les unités enrôlées nordiques et bienvenue, je sais même plus ce que c'est juste après, mais c'est pas grave. Donc ça va vraiment être un tout nouveau monde qui va s'ouvrir à nous. En plus là mon économie va de mieux en mieux. Donc je vais rapidement pouvoir reconvertir les villes qui se trouvent en Bretagne inférieure. Toutes les villes. Bon, peut-être que le tableau de mouton, il faudra que je le rase, ça. Je pense que c'est vraiment pas la bonne culture. Il faudra s'occuper de ça. Et ça, il faudra aussi que je le reconvertisse à la salle du chef. Donc, ça va se faire. À l'épisode prochain. Je vais pas prendre trop d'avance quand même. Et ce sera génialissime. Je vais enfin devenir puissant. Mais sur le long terme. Parce que là, c'est puissance à court terme. Un ennemi décidé m'attaque, je ne tiens que très difficilement. Mais avec les technologies que je vais avoir, l'argent que je vais gagner, c'est bon, je pourrais faire des guerres sur la durée avec beaucoup plus d'armées. Donc là, maintenant, pour le moment, je n'ai que 3 armées. Bon, j'ai un quatrième général, mais il sert à rien. Voilà. Bon, allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Salut les gens!